le comte épouse le fils du maréchal Mortier, deuxième duc de Trévise, et tous les deux construisent le château dans lequel nous sommes entre 1856 et 1862. Nous sommes donc dans un château Napoléon III, de style néo-Louis XIII, dont nous n'avons aucune idée de l'installation, enfin de l'aspect intérieur à l'époque, hein, puisque le château va rester, et le domaine entier d'ailleurs, donc dans la famille, jusqu'en 1923. La dernière propriétaire a été la princesse de Faucigny-Lucinge, qui habitait dans le petit château où notre ami Alexandre a posé ses valises récemment, dans le petit château. Et le maire de Sceaux, Bergeret de Frouville, voyant les promoteurs vraisemblablement tourner autour de cette grande parcelle très intéressante et abandonnée, puisque la famille de Trévise, sur la fin, si vous voulez, n'avait pas les moyens d'entretenir un tel domaine, d'une part, et deuxièmement, la vie parisienne s'organisait sur les grands boulevards, grâce à des actions comme la réintroduction des broderies à l'arrière du château, qui sont une zone vraiment intermédiaire entre le château et le parc lui-même. Grâce à un certain nombre d'actions de ce genre, on a réussi à retrouver en partie l'unité historique et patrimoniale du site. Voilà. Alors le salon dans lequel nous sommes, qui est la pièce la plus grande du château, on l'appelle le grand salon blanc, je n'ai pas besoin de vous expliquer pour quelle raison. Généralement, il n'y a pas d'exposition. Cette exposition qui est là, elle est là pour 15 jours, elle est exceptionnelle. Généralement, l'espace est libre pour justement commencer une visite, c'est très agréable. C'est une exposition qui est faite de photographies, donc comme vous voyez, le corps céleste, soleil, lune, planète, etc. À l'occasion d'un week-end que nous avons eu la semaine dernière, qui était consacré à la Duchesse du Maine et à l'astronomie. Parce que la Duchesse du Maine s'occupait comme hiverneur d'astronomie. Donc on va passer sur cette exposition, vous pouvez regarder en marchant, et on va passer dans le salon, le premier salon. Il n'aime pas qu'il sorte de l'art condamné définitivement. Il pense toujours qu'il y a une possibilité de rémission pour des artistes que l'histoire a balayés. Et quelquefois, il a fait ressusciter des artistes complètement. Pompeo Batoni, donc l'école évidemment italienne néoclassique. Et puis alors là, notre grand chéri, je l'avais pris parce que je l'adorais, ce tableau, comme il est tout au fond dans un petit bureau chez M. Lambert. Alors je lui ai demandé ce que vous êtes autorisé à le prendre, il m'a dit oui. Et ce tableau, il me dit, bah oui, non seulement c'est officiel, l'école française 18e, bon, mais s'il vous plaît, prenez-le, bon. Alors le voilà arrivé ici avec sa perruque, son air aussi insupportablement de supériorité 18e. On l'appelle entre nous l'abbé tête à claque, ce qui n'est pas très bien. Et puis on gratouille quand même dans la documentation. Et alors il ne se souvenait pas, mais c'est Duplessis, le portraitiste officiel de Louis XVI, qui est un des plus beaux portraitistes français du 18e. Et on sait très bien qui c'est un abbé de la cour de Louis XV. Et donc, en fait, voilà, on recolle les morceaux, les fils. Et ce personnage qui était dans un coin revient un peu comme ça. Donc on était assez contents de notre abbé qui est à Claire. Pièce, non pas secrète, hein, mais plus intime, on n'invite pas les gens, ne viennent que les intimes, la proche famille, les amis qu'on veut vraiment, à qui on veut faire un cadeau. Et donc c'est un meuble, c'est pas l'armoire Billy, mais beaucoup de gens avaient ce genre de meuble, évidemment, hein, dans les maisons de bonne qualité, dans les châteaux, dans les hôtels. Et donc ce n'est pas un cabinet exceptionnel au sens... vous pouvez en voir des fantastiques au Louvre, à Versailles, mais c'est un meuble, non pas courant non plus, mais de bonne qualité, comme on en avait dans un certain nombre d'espaces du XVIIe siècle. Et on mettait en général des choses ici et des choses dessus. On l'a acheté aussi parce qu'il vient d'une grande famille qui l'avait depuis au moins 1850. Alors, vous allez me dire, et alors ? Ben si, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de faux dans le mobilier et que ça trafique énormément. Pendant qu'on parle, il y a des gens qui ont un talent fou, qui sont en train de fabriquer des faux meubles qui vont nous présenter dans 2 mois, après d'avoir vieilli à la pluie, au yaourt, que sais-je encore. Et donc, il y a un grand danger d'acheter des faux. Vous avez peut-être su qu'il y a un grand expert qui est passé du côté obscur de la force, M. Villepalot, qui va rentrer en procès prochainement et qui a roulé le château de Versailles pour plusieurs millions d'euros. Donc... moi, j'ai très peur d'acheter des meubles, je vous le dis franchement. Et donc, celui-là, on savait qu'il n'avait pas été trafiqué depuis 1850. Alors après, tout ça est 1850. Parce qu'au 19e, il complétait allègrement les meubles qui étaient abîmés, etc. Mais les portes sont absolument impeccables, avec donc cette gravure en fort relief
des renommées, des tritons, et au centre, deux pièces qui sont Suzanne et les vieillards, Judith et Holoferne, qui vient de couper donc, la tête du général Holoferne, le général des Assyriens qui menace le peuple juif, et elle sauve le peuple juif, donc une femme forte de la Bible. Et Suzanne et les vieillards, tout ça c'est tiré de gravure, donc le sculpteur met en fort relief. Et puis une fois qu'on ouvre, on découvre évidemment un deuxième monde, qui est le monde de la façade de tiroir, et qui là est un ensemble de gravures en creux, presque comme de l'estampe, vous voyez, si je passe la main. Et donc très peu de relief, parce que d'abord ça serait impossible de refermer les portes s'il y avait du relief. Hein. Donc c'est complètement plat. Et là vous avez encore des figures qui sont tirées de gravures, la force avec sa colonne, la tempérance, la fuite en Égypte de la famille de la Sainte Famille, mais en même temps, vous avez beaucoup de motifs décoratifs, des rinceaux avec des enfants, des têtes avec des longs cheveux au naturel, très Louis XIII, des cosses, des yeux dans des masques grotesques, ce qu'on appelle le style auriculaire qu'on adorait sur Louis XIII, et qui fait écho à tous ces petits bons hommes, plus mignons, tous ces petits poutis qui font des activités nautiques. Donc il y a vraiment une deuxième esthétique qui correspond donc au fonctionnement du meuble, avec l'astuce classique du faux double tiroir, qui est en fait un seul, évidemment, avec le jeu sur le trompe-l'œil de la façade. Avancez-vous, les enfants, parce que ça, si vous voulez le voir de près. Et puis alors, une fois qu'on a épaté ses amis, là, on leur en met plein la vue pour la dernière opération, qui est qu'on bascule dans un autre monde qui est beaucoup plus onirique, qui est un monde de couleurs. Là, vous avez la débauche de matériaux précieux, le bois précieux, la nacre, l'ivoire, l'os teinté, le bronze, le miroir, et qu'on crée une perspective accélérée. C'est pour ça qu'on appelle ça le petit théâtre, puisqu'on a l'impression d'être une scène de théâtre avec les décors qui vont en décroissant. Et, alors je ne sais pas si ça tromperait beaucoup de voleurs, mais des tiroirs cachés, toujours au même endroit, hein, qu'on attrape par une petite... attendez, il faut que j'y arrive, parce que je suis plus vieux. Voilà, on tire par des petites pièces de tissu. Alors, je pense qu'un vrai cambrioleur, il allait tout de suite chercher ce qu'il y avait là, mais enfin, voilà, ça peut faire un tout petit peu l'illusion. Voyez, alors, on ne l'a pas restauré, il est dans son état après acquisition, donc il a besoin d'une restauration fondamentale. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez merveilleux et de fragile. Vous voyez ici, il y a une cassure qui est apparue depuis qu'il est arrivé ici, parce qu'ici, il était trop chaud, et là où il était trop froid. Donc, le meuble s'adapte, et puis, un moment, il casse. Voilà. Donc ça, c'est le problème de conservation qui est très difficile pour nous. Et donc, tant qu'on n'a pas ici une climatisation professionnelle, on ne peut pas gérer. Voilà. Donc, on ne gérera les meubles vraiment ici qu'après la pause de la climatisation en janvier. Donc, on sera aux normes l'année prochaine. Donc, revenez nous voir l'année prochaine, il y aura plus de meubles. Voilà. Merci Si vous revenez l'année prochaine, vous verrez l'expo de dessin qu'il y aura à la Bourse, puis ensuite ici les 50 dessins. Et à la rentrée de septembre, vous verrez les animaux de verre de Murano, qu'on n'a pas pu cette fois-ci pour l'inauguration évoquer, et qui sont une sélection qu'on fera avec deux commissaires italiens dans la pièce jaune ici, dans des vitrines là pour le coup, c'est des pièces très fragiles, très petites. Et ça va amener un autre public que le public, on va dire, que vous habituez au musée Beaux-Arts. Donc ça m'intéresse de voir aussi comment ce public-là va se trouver avec ces œuvres-là.